Salut Siro, aujourd'hui on va apprendre à jouer le blues le plus doux du monde, c'est parti! Chers amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve avec plaisir. Aujourd'hui, je vous propose de travailler un blues super tranquille, super calme, que j'ai appelé le blues le plus doux du monde. Et d'ailleurs, pour le présenter, je me suis permis de le jouer avec mes doudous. Alors, j'espère que les instances de la guitare orthodoxe me pardonneront cette petite prise de liberté. On se détend des fois à l'occasion sur cette chaîne-là. Une fois n'est pas coutume. Et donc, je me suis inspiré de deux blues pour vous faire ce blues. Il y a le premier qui est un blues, en fait, très, très simple, que j'avais appelé le Lullaby Blues. Vous allez regarder ce petit lien, où vous allez retrouver quelques petites similitudes, en tout cas dans la grille d'accords. Ce n'est pas un blues en 12 mesures, c'est quelque chose d'un petit peu plus long. Et un deuxième morceau qui s'appelle Sleepwalk, qui est en fait un classique qui est repris régulièrement par les grands du blues et du jazz. Donc Sleepwalk, ouvrez la description de cette vidéo, je vous ai mis un lien, je pense que vous le connaissez, mais vraiment, voilà, c'est un morceau qui a été repris en particulier par Brian Setzer, et voilà, bon, un de mes guitaristes et des artistes que je préfère. Donc voilà, je me suis inspiré de tout ça pour vous présenter quelque chose que vous allez véritablement pouvoir jouer, et avec ce blues, vous allez réussir à endormir, même l'enfant le plus turbulent, il s'endormira en moins de 12 mesures, je vous le garantis. Alors, je vous ai fait des tablatures, comme d'habitude, en format Guitar Pro et en format PDF qui sont disponibles. En ouvrant la description de cette vidéo, eh bien, vous trouverez un lien. Je vous rappelle que ceci n'est pas le seul blues que j'ai fait sur cette chaîne. Ceux qui me suivent le savent, donc j'ai fait tout un tas de blues qui sont super accessibles pour tous les niveaux. Et je m'efforce à chaque fois de vous proposer quelque chose qui sonne raisonnablement bien et que vous allez pouvoir, comme ça, jouer également. Parce que des fois, des trucs qui sonnent super, bah, on n'arrive pas à les jouer. Donc, ça sert un petit peu à rien. Ou alors, ça demande vraiment beaucoup de travail. Donc, une liste de blues super accessible, car ce qu'on va voir maintenant, ce sont, y a beaucoup de double notes, beaucoup d'appoggiatures, donc de grace note. Et donc ça, ça va être les choses peut-être qui vont vous poser le plus de difficultés. Mais sachez que c'est quand même super simple, parce que voilà, au lieu d'avoir des accords super compliqués, vous avez beaucoup de deuxième case, double note, troisième case, double note, quatrième case, double note. Donc c'est relativement facile à visualiser. Il n'y a pas de gros accords avec quatre doigts, c'est que des accords où il y a des cordes à vide. Voilà, le La majeur, je le joue comme ceci. Donc je pense que franchement, ça vaut le coup. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. C'est-à-dire que vous n'allez pas jouer 50 fois la même mesure à l'identique. Je vais vous le jouer avec le métronome à 60 BPM. Et puis ensuite, je vais vous expliquer les différents éléments pour que vous puissiez apprendre à le jouer. C'est parti. 1, 2, 3, 4... Thank you.
va regarder rapidement de quoi il s'agit. C'est un blues qui n'est pas en 12 mesures, c'est un petit morceau, on va dire, qui se joue donc assez lentement. C'est quand même une super affaire, parce que si vous le jouez à fond la caisse, à mon avis, ça ne va pas sonner. Je n'ai pas essayé. Il faudrait que... Maintenant, je me demande si j'aurais dû le faire. Et ça va se jouer donc aux alentours de 60 BPM, donc comme ce que j'ai joué dans le... Dans la démonstration, il faut reconnaître que voilà, quand c'est joué au métronome, ça sonne pas. Pourquoi ça sonne beaucoup trop régulier et c'est pas le but. C'est vraiment quelque chose qui est fait en fait pour s'arrêter sur certaines notes, ralentir. Ensuite, vous allez accélérer un peu. Vous voyez la fin? Vraiment, vraiment ralentir. Pour des raisons techniques, puisqu'il fallait le jouer avec la tablature qui défile, obligé de le jouer avec le métronome, je ne peux pas avoir une tablature qui va ralentir juste au moment où j'en ai envie. C'est un blues en mi, mais bon, voilà, c'est pas un blues en mi comme ce... Voilà, c'est pas le blues 1, 4, 5 avec mi, la, mi, si. Voilà, c'est pas ce genre de blues-là, mais il y a quand même des accords que vous allez retrouver. Le 6/7 est présent. Et voilà, quelques petits accords qui vont se substituer à d'autres, et c'est tout l'intérêt. Donc ça va donner peut-être un côté jazzy, peut-être que vous allez trouver que ça sonne un petit peu jazzy tout ça. On va jouer ceci au doigt avec un mouvement de swing. Au niveau de la main côté chevalet, il n'y a pas véritablement de doigté recommandé. Vous pouvez utiliser le pouce et l'index pour les doubles notes. À titre personnel, j'aime bien utiliser donc le majeur et le pouce. Le swing, je vous le rappelle, donc c'est ce mouvement de triolet qu'on va jouer à l'intérieur de deux croches. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Eh bien voilà, au lieu de faire 1 et 2 et 1 et 2, vous allez faire 1, 2, 3, 1, 2, 3 et enlever la deuxième croche du milieu. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. On va démarrer avec le turnaround. C'est vraiment basé sur le... Donc vraiment quelque chose de super simple. Ce petit turnaround, il est assez sympa. Donc vous avez une double note qui va être amenée en slide. Donc cinquième case et quatrième case. Le slide, si vous voyez rien de noté, ça veut dire qu'il vient de la case précédente. Ne faites pas... Ça va être trop long. Donc index, et là, comme j'ai un saut de corde, je vais utiliser le doigt où il y a la bague, l'annulaire. Je fais la même chose une case plus bas. Je fais la même chose une case plus bas. Vous allez retrouver ensuite ce qu'on appelle une grace note, c'est-à-dire une note qui va être jouée. Au lieu de faire 1-0, vous allez faire 0-1 en hammer-on très rapide. Un petit peu comme si vous arriviez en retard sur cette note. C'est la position d'un mi-septième. Donc faites comme si vous arriviez un petit peu en retard sur la première case. Vous oubliez de la jouer et voilà, vous mettez le doigt comme ça un petit peu au dernier moment. Et voilà ce qu'on appelle une grace note. Donc le hammer-on, vous allez frapper la frette, vous allez jouer la corde de sol. Et très rapidement... C'est le but de donner un côté organique et vivant à notre blues. Pour aller jusqu'au la septième, on va faire un petit walking bass à partir de la deuxième case. Là, vous pouvez le jouer avec le doigté qui vous semble le plus approprié pour vos doigts. Il n'y a vraiment pas... Voilà, à cette vitesse-là, moi, je pense qu'on peut utiliser soit le doigt numéro 2 et 3. Un, deux... 3, 4, et 1, et 2, 3, 4, et... Mesure suivante. Alors cet accord, cette petite diade, qui va être enrichie de la note de mi, en fait c'est juste un mi majeur. Vous avez la note mi, sol dièse, et si. Et donc je l'ai appelé, voilà, mi majeur, sol, si, base, sol dièse. Mi majeur, base, sol dièse, j'y arrive. Le la septième... Donc petite grace note sur la deuxième case, vous arrivez un petit peu
en retard. Et donc, le doigt numéro 1, corde de si, et doigt numéro 2, corde de mi, avec le pouce. Travaillez ceci si vous débutez ce type de morceau. Et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et... Il y a des accords comme ça où on n'entend pas les notes, donc... Je l'ai labellé comme un La septième, mais il n'y a pas de Sol qui serait la septième mineure. Elle n'est pas là, mais on a envie de l'entendre. C'est pour ça que voilà, j'ai écrit La septième, et ça serait l'accord que je jouerais si c'était un accompagnement, donc juste avec des accords. Et là, pour créer une petite tension, eh bien, c'est en fait quelque chose qui va se baser sur un Ré septième. On verra tout à l'heure qu'on peut le voir également comme un La mineur. Je vous rappelle que sur la chaîne Roue Guitare, je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. Merci de vous y abonner, comme ça vous pourrez apprendre plus de petits blues, comme ça super simple, super sympa, et faire plaisir à vos amis. Allez, on continue. Mesure numéro 8. On passe sur le Sol dièse 7. Alors j'ai l'habitude de le jouer à trois doigts comme ceci. Non, ici vous allez le jouer soit... avec le doigt numéro 1, le doigt numéro 3, le doigt numéro 2 à la quatrième case, ou alors avec un barré. Ça va être un barré, vous allez appuyer en fait sur simplement deux cordes, la grosse corde et la petite, et puis vous allez avoir la cinquième case. Alors là où il faut faire attention, c'est quand on relâche et qu'on passe sur la deuxième case, en fait on va vouloir garder la basse, on repasse sur le La 7. Là on va faire des petites doubles notes. Vous utilisez le doigté que vous voulez, et donc là ça va être le La mineur. Donc là ça va être la sixte, donc un La 6 en fait, avec la deuxième case, avec le Fa dièse. Mesure numéro 12, on est sur le Fa dièse 7. Vous allez le prendre cette fois-ci à trois doigts, mais si c'est trop compliqué, prenez-le juste à deux doigts, sonne aussi. Le 6-7, c'est le seul passage où j'ai fait quelque chose d'un peu plus personnel. Je me suis permis d'avoir quelque chose qui, voilà, qui sonne exactement comme ce que j'avais envie de faire. Donc, double note. Là, vous prenez la position du 6-7e. Ce doigt-là ne va pas jouer tout de suite. Le doigt numéro 1. Donc, la corde de Ré, je la prends avec le doigt numéro 1 ici. Là, c'est une double note pour avoir cette basse donc, qui va continuer un temps par mesure. C'est votre batteur, c'est la grosse caisse. 1, 2, 3, 4. Et donc là, double note qui revient. Donc en fait, vous allez ouvrir et clôturer la mesure avec cette double note. Donc le Si et puis sa septième. Elle est là, la septième, juste en dessous. Septième mineure, bien entendu. On va résoudre avec le Mi. Et ensuite, on va slider, comme l'introduction. On va le répéter. Et donc là, pour que ça change un petit peu, j'ai joué la corde de mi grave à vide au lieu de la mi aiguë. Alors, vous entendez beaucoup de bruit de cordes qui sifflent. Je suis bien désolé, en fait. C'est un petit peu... On le souci avec ce morceau-là, donc j'essaye d'en avoir le moins possible. Maintenant, ça fait partie de la guitare acoustique, et voilà, c'est ce qui donne le côté unique de la guitare acoustique. Donc sur le dernier, en fait, je suis passé sur un Si 7 suspender 4, avec des cordes à vide, ça sonne super bien. Donner un côté vraiment aérien, complètement ouvert. Et là, j'ai fait un petit jeu de saut de corde. Vous allez jouer une corde, puis sauter avec le doigt numéro 1. Vous allez une corde plus bas, vous faites la même chose. Vous allez une corde plus bas, vous faites la même chose. Et après, voilà, si vous travaillez un petit peu, on va avoir des choses sympas. Et donc, sur un Mi 9, après, alors ça va être un Mi add 9, puisque c'est un Mi majeur. Et la 9e... elle va être ici, donc là on a l'octave, et la 9e est là un ton plus loin.
résoudre de manière très très douce. C'est un de mes accords préférés, celui-là en majeur. Vous avez donc dû me voir jouer les harmoniques artificielles. Alors comment j'ai fait ? Donc là, bon, j'ai décidé de la jouer avec le pouce en fait, cette corde à vide, pour que ça couvre le son. Et donc, en jouant les harmoniques de chaque note 12 cases plus haut, eh bien, on peut former l'accord comme ça, encore une fois. Alors comment je joue ces harmoniques ? Donc là, le doigt est placé au-dessus de la barrette, au-dessus de la frette, mais il n'appuie pas. Sinon, le son va être complètement étouffé. Donc en fait, il touche la corde et l'ongle du pouce va jouer en même temps. Donc on est au-dessus de la 14e case, ça va être la 12e, la 13e, la 14e frette. Et donc, voilà, en appuyant fort avec le pouce et en laissant le doigt au-dessus, on a ce qu'on appelle une harmonique artificielle. Je vais descendre en fait mon accord. Donc là, j'étais en fait à la 2e case. Bien là, je vais être à la 4e case, corde de Ré. On rappelle qu'on est une octave plus haut ici, hein. C'est les cordes à vide à la 12e case. Le Sol dièse, donc la première case, elle est là. Et ensuite, bah, j'ai plus que les cordes à vide en fait, donc je vais les jouer à la 12e case. Donc encore une fois, pouce, corde à vide, là il n'y a rien. 2, 4, 1, 0, 0. Alors au début, ça va être compliqué, hein, si vous n'en avez jamais fait. Le son, vous allez certainement beaucoup au début mettre leurs doigts beaucoup trop au centre. Et voilà, ça sonne pas. Ça marche pas. Il faut vraiment être pile sur la barrette, sur la partie métallique, et que la peau, elle touche la corde, mais la corde, on l'appuie pas. En fait. Voilà, là, ça fonctionne. Alors, si vous êtes comme tout le monde, voilà, ça va être difficile de les avoir super nickel à chaque fois. Ça demande un petit peu plus d'attention. J'espère que vous allez vous faire plaisir avec ce petit blues et que vous allez faire plaisir peut-être à vos amis ou à vos enfants avant de les coucher. Donc, soyez patient et surtout, ne vous gênez pas pour le changer. Vous pouvez le jouer à votre manière. Il n'y a pas de manière officielle. Le principal, c'est que voilà, vous puissiez vous amuser avec. Je vous rappelle qu'il y avait le Lullaby Blues, qui est un poil plus simple que ce que je vous ai montré aujourd'hui. Enfin, disons un poil plus basique. Mais bon, voilà, il y aura quand même peut-être des choses qui sont nouvelles si vous êtes du côté de ceux qui ont débuté la guitare il n'y a pas très longtemps. Et donc, voilà, cela, je vous invite à regarder dans ma playlist de blues facile. Je vous attends avec impatience pour notre prochain tuto guitare. En attendant, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end puisque nous sommes vendredi. Voilà, à très bientôt. Bye bye.